Vous avez quel âge, Edwige? J'ai 86 ans et demi. Je n'y crois pas. Elvire, vous êtes née en Bulgarie. Vous êtes arménienne d'origine. Oui. Et dans votre enfance, vous avez passé aussi par la Suisse. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cet itinéraire, au fond, depuis votre naissance jusqu'à votre arrivée à Paris? Rapidement. Rapidement. Je suis arrivée en Suisse à l'âge de 7 ans et demi. Et je suis restée au-dessus de Lausanne, à La Rosière, jusqu'à l'âge de 15 ans. Et c'est en somme, j'ai une immense dette de reconnaissance envers la Suisse romande, envers le canton de Vaud. J'ai été très heureuse dans votre pays. Très jeune, enfant, on nous emmenait faire des excursions en montagne. Et alors, j'éprouvais une ivresse pendant ces excursions. Je me sentais légère comme tout. Alors on m'appelait la petite chèvre, parce que je sautais d'un sentier à l'autre, d'un rocher à l'autre, et je me trouvais toujours dans un état d'ivresse quand j'étais à la montagne. C'est en Suisse que vous avez appris le français? Non. Enfin, oui et non, si vous voulez. À l'âge de 5 ans, j'ai déjà été à Notre-Dame de Sion, en Bulgarie. Et là, j'ai commencé à apprendre le français. Qui était une école française. Notre-Dame de Sion, oui, c'était français. C'est une institution extraordinaire. Par tous les Balkans, le Moyen-Orient, il y avait Notre-Dame de Sion pour les jeunes filles, enfin. Vous avez une particularité, si on peut dire, c'est que vous êtes issu d'un milieu riche, d'une famille de riches industriels. Oui. Et c'est étonnant de voir aujourd'hui cette petite Elvire. Je suis tout à fait détachée de tout ça. tout à fait détachée de tout ça. Je sais ce que c'était que d'être... Mais très très pauvre, absolument pauvre. Je n'ai jamais abandonné la peinture. Dans ma pauvreté, j'avais toujours le moyen d'avoir une toile, un peu de couleur, et toujours, toujours de continuer. À Paris, pendant l'occupation, pendant l'atelier était à moitié gelé, je continuais à travailler comme ça, enfin. Toujours et toujours et toujours. Avant d'arriver à Paris, vous avez, je crois, fait halte à New York. J'ai passé un an et demi en Angleterre. Bon, j'ai beaucoup aimé les dunes du Sussex. J'aime beaucoup l'Angleterre. Je lisais beaucoup. Je dois aussi à l'Angleterre. Mais enfin, ce que je dois à la Suisse, je ne le dois à personne d'autre. J'ai été un petit peu aux États-Unis. J'avais mon oncle, ma tante. Et c'est aux États-Unis que la peinture vivante m'a été révélée. Parce que je ne savais pas ce que c'était que la peinture. Je n'avais jamais vu de musée. Les enfants européens vont au musée, mais je n'étais pas... Nous avions une très bonne éducation musicale. Et bien, tous les grands orchestres passaient par Lausanne. Pendant la guerre de 14-18, de sorte que j'adorais la musique, j'étais... D'ailleurs, le rythme aussi, voyez-vous, le rythme profond, mystérieux. Mais la peinture, alors, cette révélation, c'était à partir de quelle peinture? Qu'est-ce que vous avez vu comme peinture qui a déclenché? Ah, mais la peinture... Les impressionnistes, par exemple. Vous avez vu aux États-Unis? Aux États-Unis. J'étais à la Bonds Collection, qui était ouverte à tout le monde à cette époque-là. Et alors, j'ai vu le nu bleu de Matisse. Et puis alors, j'ai vu la bohémienne endormie. J'étais, mais étranglée d'émotion, de terreur, en me disant, mais c'est ça, c'est un royaume qu'on ne peut pas atteindre. La peinture est un royaume qu'on ne peut pas atteindre. Et toute ma vie, j'ai eu cette espèce d'angoisse. C'est un royaume qu'on ne peut pas atteindre. J'ai essayé d'atteindre la peinture.
Je ne sais pas si je suis arrivée à atteindre la peinture, mais enfin, pour moi, c'était un royaume qu'on ne pouvait pas atteindre. Et vous êtes donc venue à Paris pour faire une carrière de peintre? Je suis venue à Paris. Le jour où je suis arrivée à Paris, c'était en 1925, un jour de printemps. Je me suis dit, ici, ça va être mon pays. C'est curieux. La première chose que j'ai faite, c'est d'aller à Notre-Dame. Et la seconde chose, d'aller au Louvre. Et je me suis dit, maintenant, tu te mets à travailler. Parce qu'aux États-Unis, j'ai travaillé aussi. J'étais dans le Art Students League. Et vos parents ont tout de suite accepté cette carrière? Pas du tout. C'était une douleur pour mes parents. Les années passaient. Je ne me mariais pas, j'étais là à gratter, à souffrir sur ma peinture. Maman me voyait pleurer. Elle me disait, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est épouvantable. Enfin, je la comprends très bien. Je la comprends. Enfin, moi, j'aurais eu un enfant, j'aurais fait exactement la même chose. Mais je ne sais pas, je vous parle tout de même de choses qui sont très, très intimes. C'est vous qui me faites parler. Vous avez passé ensuite par quelles écoles à Paris? Vous avez été... J'ai tout de suite été à l'Académie Julian, mais immédiatement. C'est-à-dire, je suis arrivée au printemps, il y avait l'été, les vacances, et je me suis inscrite à la rentrée de septembre. Vous avez aussi à l'Académie Julian. Les cours de gravure, c'était dans cette académie-là? C'était beaucoup plus tard. C'était même pas des cours de gravure. Chacun venait, on travaillait sa gravure. Vous n'avez pas passé par l'Académie Ranson? Non, mais j'avais des amis à l'Académie Ranson. Et à cette époque-là, vous aviez quel âge, Elvire? 20 ans? J'avais 20 et quelques années. Ouais. J'avais 21 ans. Enfin, nous, j'ai rencontré Bazaine quand nous étions des galopins, en somme. À l'Académie Julian, nous avions eu une formation très stricte, très classique, par Paul-Albert Laurence. Il nous mettait une feuille de papier, nous avions tout pendant toute une semaine, la feuille Canson, sur notre chevalet. Un fusain et un modèle. Et un modèle, c'était un nu. Et d'ailleurs, j'avais déjà... aux États-Unis, j'avais déjà fait la connaissance du modèle en disant « Mon Dieu, comme c'est difficile !» Ensuite, je me suis dit... j'étais une enfant qui me posait des questions. Je me suis dit « Nous sommes des commençants et on nous propose tout de suite la chose la plus difficile. C'est le corps humain. » Et alors, on s'acharnait avec un fusain. On ne s'amusait pas. C'était pas drôle. Mais on le faisait parce que... Pour apprendre ce que c'était que le corps humain et ce que c'était que d'essayer de dessiner. Parce qu'alors le dessin aussi était une chose qu'on ne peut pas atteindre. Est-ce que ces années-là... Tout pour moi était difficile à atteindre, n'est-ce pas? Lorsqu'on passe dans ces écoles, dans ces académies, surtout à cet âge-là, oui, on noue des amitiés profondes. Est-ce que vous n'avez jamais eu envie, Elvire, de fonder une famille, par exemple? À cette époque-là, j'imagine que la question a dû se poser. Eh bien, écoutez, je ne me posais pas cette question-là. Il faut aussi dire que j'étais un peu enfantine pendant très longtemps. Et mes camarades d'atelier étaient des camarades. Et j'étais tellement tendue avec difficulté, enfin, beaucoup plus que d'autres probablement, je ne sais pas, que tout le monde... Ce qu'on a à l'intérieur de soi, le fluide, tout ça,
et qui fait que, qu'on a des sentiments humains, mais tout ça passait dans le travail déjà. Donc c'est une véritable vocation. Alors, je crois que oui. Est-ce qu'à l'époque vous étiez déjà croyante? Oui. Je suis née orthodoxe. J'ai été élevée dans l'église protestante. J'étais à l'école du dimanche quand j'étais petite. Et dès l'enfance, j'étais attirée. Mais ensuite, les questions religieuses me préoccupaient moins. Je sais ce qu'il me dit. Est-ce que j'ai eu une histoire d'amour? C'est oui, ça alors. Qu'il dit, hein? il aimerait que je vous demande si vous avez eu une histoire d'amour. Oui, eh bien, j'ai eu une histoire d'amour secrète, cachée, et après ça, coupure nette. Et alors, je me suis tournée vers une vie spirituelle. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ça a été un choix délibéré à un certain moment? Ou est-ce que c'est venu, je dirais, naturellement? L'histoire d'amour? Non, le choix. Ah, après? Le choix. Ah non, c'était pas délibéré, c'était. Finalement, tout ce que j'avais emmagasiné dans ma jeunesse et tout ça, et qui m'a fait, et puis j'ai vécu complètement seule dans l'atelier, hein, ça, et j'étais portée vers la prière, ça, il faut bien le dire. Et j'ai beaucoup souffert des différences de religion. Est-il exact qu'à un certain moment, vous avez même songé à entrer dans les ordres? Ah oui, pendant longtemps. Chaque fois, on me disait. Chaque fois. Et alors, notre cher ami le Père Avril est très ami avec Bazaine et Manessier. Et avec, je peux dire, Manessier et Camille, il était épouvanté. Il disait : écoutez, je vous en supplie, faites tout ce que vous pouvez pour détourner Elvire de cette voie. Après, quand on me l'a dit, j'ai grondé le Père Avril, j'ai dit, vous êtes misogyne. Il a dit, non, je ne suis pas misogyne, mais je vous mets en garde. Ce n'est pas votre voix, c'est la voix des autres, mais pas la vôtre. Au fond, votre religion aura été la peinture. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut être femme et peintre? Ah ben absolument. D'abord, je l'ai été, on peut l'être. Et alors, il y en a d'autres qui sont vraiment de très très grands peintres à notre époque, enfin. J'estime que Vera da Silva est un très très grand peintre, Vera Bhagava était un grand peintre aussi, enfin. Les gens qui connaissent votre peinture. Oui. Sont d'avis que dès le départ, donc dès ces années à l'Académie Julian, oui, vous aviez déjà votre personnalité, votre rythme. Les autres le disaient, mais moi je ne savais pas ça. J'ai toujours tâtonné. Non, les autres le disaient, mais. C'est vrai que si l'on se reporte dans les années 50, il y avait quand même une parenté. Dans l'esprit, oui, ça, avec c'est vrai. Beaucoup d'autres. Et oui. Qu'ensuite, vous avez pris une et voie. Chacun, c'est normal. Nous sommes ici dans votre atelier de Moissac. Vous travaillez moitié à Paris, moitié à Moissac. Oui. Est-ce que ce lieu a été pour vous important? Très important. Hein, ce petit grenier ici, je l'adore. Et j'y ai travaillé pendant plus de 30 ans. Et c'est maintenant les derniers temps. Je ne sais pas si l'année prochaine je reviendrai. On ne sait pas. Mais je mets un pied devant l'autre. Est-ce que cette source d'inspiration qu'est la nature, dont vous parliez tout à l'heure, est-ce que c'est surtout ce paysage provençal qu'on peut voir de votre fenêtre?
si vous voulez, oui, au premier degré, mais il y a d'autres degrés aussi. C'est-à-dire que le matin, quand je me réveille, je regarde, enfin, ça m'est profondément intime. Mais ce n'est pas la copie de la nature que je cherche. Ce n'est pas une copie de la nature. Je crois que notre peinture doit être quelque chose, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, quelque chose de vivant, mais qui vit en même temps. Genre, je vis avec mes collines, je vis avec mes arbres, je vis avec mes sentiers. Voyez-vous ? Je ne les copie pas. Je ne suis pas devant eux. Vous êtes à l'intérieur. Je suis... Oui, c'est ça. Et c'est toujours une question de rythme. Je ne sais pas si j'explique ça convenablement, mais... Il faudrait mettre ça au clair un jour. Et cette voie de l'abstraction lyrique, dirons-nous, cette voie de l'abstraction inspirée par la nature, si c'est oui. encore une abstraction, elle est tout de même assez particulière dans... Chacun de nous a son abstraction, chacun de nous a sa... Comment voyez-vous la vôtre? Est-ce que c'est de l'art abstrait? Non. Oh non, pas du tout, mais comment est-ce que c'est de l'art? Avec tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous me demandez si c'est de l'art abstrait? Mais absolument pas. J'irais presque dire que c'est naturel. J'ai écrit quelque part dans une préface, on doit retrouver le rythme de la nature dans la sève des arbres, dans les ruisseaux, le fleuve qui coule, le ruisseau qui coule, le sang qui coule dans les veines. Voyez-vous, c'est ce rythme profond avec lequel on doit vivre. Est-ce qu'il y a d'autres peintres qui ont eu une démarche un peu semblable ? Vous savez, entre peintres, quand nous sommes ensemble, nous parlons de choses toutes simples et amicales. Mais nous avons une certaine pudeur, nous ne livrons pas des choses comme ça. Ce que je vous dis là, c'est... c'est indiscret. Bazaine a expliqué certaines choses magnifiquement dans ses deux livres. Faut relire. Ce courant de la peinture française a été très à la mode dans les années 50-60 et ensuite écarté un peu par l'école de New York. Oui, mais ça c'est... Alors ça c'est quoi? Dites-moi. Je vais vous dire. Je comprends assez ça. C'est un peuple jeune et ils ont eu une crise de jeunesse. D'ailleurs, ils étaient tous originaires d'Europe. Et beaucoup étaient juifs. Admirable. Alors, comme tous les jeunes, je trouve qu'ils ont été impertinents. Ils ont dit, Paris, et alors maintenant, je crois que l'art retourne. Ces jeunes sont devenus plus vieux, et il y en a beaucoup qui sont morts d'ailleurs. Et alors, le peintre a toujours suivi sa petite voie. Il ne faut pas que... C'est difficile à expliquer maintenant. Beaucoup, beaucoup d'Américains regardent vers la France et se retournent et recommencent à découvrir les parents, en somme. Donc il y a... Ils retrouvent leurs parents. Donc il n'y a pas eu une fois à Paris, une fois à New York? Non, il y a toujours eu Paris. Il y a toujours eu Paris, mais New York a été, à un moment donné, méchant envers Paris. Il a voulu carrément écarter. C'est ce qui arrive avec les galeries et tout ça. Nous aurions pu être découragés, désespérés.
On ne l'a jamais été. Chacun a continué sa vie, son travail, dans sa voie. Et je crois qu'on a eu raison de faire ça. Parce que les gens, maintenant, commencent à nous redécouvrir, si vous voulez. Et si on fait un petit retour en arrière, les grands peintres qui vous ont marqué, à part Matisse, dont vous avez déjà parlé, quels seraient-ils? S'il y en a d'autres. Enfin, Cézanne, c'est mon Dieu, enfin. J'étais là il y a le mois dernier, tout à l'heure, j'étais à Aix voir l'exposition de Cézanne. Bon, j'étais bouleversée. Il n'y avait pas beaucoup de toiles, mais c'est un prophète. Enfin. Il lui a ouvert non seulement le 20e siècle, mais il ouvrira encore le 21e siècle. Parce que justement, avec le visible, il donne le... On dirait qu'on touche l'invisible. C'est difficile de dire ça avec des mots. Devant une toile de Cézanne, on touche l'invisible. Et c'est pourtant la montagne Sainte-Victoire, quelques arbres devant. Là, c'est un grand mystère. L'influence n'est pas une mauvaise chose. On dit toujours « Ah, on a été influencé, on n'a pas été influencé. » Il faut accueillir les influences et en faire quelque chose de vous. Ma petite Elvire. Ma petite Elvire. Le dessin. Le dessin, pour moi, c'est sacré, le dessin. Et j'en fais très peu pour ne pas que ça devienne automatique. Je ne veux pas d'un... Il y a un mot pour ça que je cherche. Le dessin... Vous savez que faisaient les surréalistes. Michaud faisait aussi ça, le dessin. Et j'ai oublié le mot, tiens. Il faut que le dessin soit jailli. Alors depuis quelques jours, je descends dans la chambre d'en bas et je fais un dessin. Pas deux, un. Bazaine, quand il m'a téléphoné la semaine dernière, il m'a dit « Elvire, il faut que vous fassiez beaucoup de dessins et des aquarelles. » Je dis « Ici, à moi ça, que je ne fais pas de dessin. » Je fais de la peinture, comme je l'ai dit. Mais tous les jours, un dessin. Vos dessins sont pas seulement des dessins au crayon, mais beaucoup, beaucoup de dessins à la plume. À oui, l'encre. Ici, maintenant, je travaille à la plume. Ça mord. Et j'ai une très vieille plume, très, très, très vieille, qui crache un petit peu. Et elle fonctionne comme ça. Une plume sergent. Vous grattez le papier avec le bec. Vous luttez avec non, la plume. Non, non. Je laisse la plume courir. Parfois ça prend, parfois ça ne prend pas. Vous me disiez tout à l'heure que c'est au fond, depuis votre dernière exposition, oui, que vous avez le sentiment d'avoir vraiment accompli votre vocation. J'entends ma vocation de peintre, j'ai toujours peint, mais ma vocation de peindre dans ce sens-là. C'est-à-dire de chercher la vie profonde d'une couleur, d'une certaine couleur. J'ai des quantités de toiles qui sont des toiles bleues, d'autres qui sont des toiles rouges, et elles sont toutes différentes les unes des autres.
et je cherche à avoir la profondeur d'une couleur. Et comment se différencie cette démarche par rapport à celle, par exemple, d'un Yves Klein dont... Eh ? Oh, mais ça, c'est tout à fait différent, ça. Ah, c'est tout des... Lui, c'était une démarche intellectuelle. C'est ça ? Maintenant, vous me dites qu'il y avait une part de plaisanterie. Ça, je n'en sais rien, je ne le connaissais pas. Mais je crois que c'était une démarche intellectuelle, le fameux carré bleu d'Yves Klein. Et le carré blanc de Malevitch. Comment ? Le carré blanc de Malevitch. Ah oui, ça c'est tout à fait différent. Le carré blanc de Malevitch, c'est une peinture géométrique, une peinture, alors là, parfaitement abstraite. Mais nous, notre groupe, nous ne disons pas abstrait du tout. Nous sommes tous profondément accrochés au rythme de la nature. Chacun de nous, selon sa... Donc, même lorsque vous peignez une toile absolument uniquement ocre, oui, pour prendre un exemple, oui, la nature vous inspire. Ah oui, toujours, toujours. La nature est attachée, comment dirais-je. J'ai un profond contact avec la nature, avec tout ce rythme, avec toute cette vie profonde de la terre, du rythme. Et le rythme, pour moi, est une chose absolument essentielle. Il y a dans votre œuvre, Elvire, une petite tranche assez particulière. C'est lorsque vous faites des tableaux vraiment figuratifs, où on voit la Vierge, un ange qui passe. Comment expliquez-vous cet aspect un peu marginal de votre œuvre ? Alors, je vais vous montrer un descendant de toile que j'ai faite l'année dernière, à cette époque-ci. L'une c'est la Vierge et l'autre c'est le Christ. Mais vous l'avez peut-être aperçu. Bleu, sombre, bleu, dans la salle d'en bas. Alors de temps en temps, j'éprouve le besoin de faire ce visage de la Vierge. Une seule fois j'ai eu ce toupet de faire le Christ. Mais d'abord, il y a longtemps, j'avais fait plusieurs petites toiles avec une tête de Christ. Vous vous sentez très proche de la Vierge Marie. Oui. Je l'aime profondément. Et elle est très, 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 très indispensable dans l'humanité. On en a fait des images en doucereuse, des images en sucre, des images en... Enfin, c'était vrai. Mais le vrai visage de la Vierge. Contrairement à d'autres peintres de votre génération, vous avez été, disons, relativement peu connu jusqu'à ce jour. Oui, non. Mais ça, c'était une volonté de notre Père qui est aux cieux, qui a voulu que j'ai toute ma vie, que je sois dans une certaine solitude. Dieu sait si j'ai des amis absolument admirables, merveilleux, j'adore mes amis, j'ai adoré ma famille, j'ai beaucoup aimé notre directrice, mes camarades, je suis très très sociable, j'aime l'autre. Et cependant, j'ai été tenue à être dans une solitude. C'était au fond un mal nécessaire. Ah oui, mais c'est devenu une richesse, c'est devenu une joie. C'est difficile à expliquer ces choses-là. On ne doit pas beaucoup mettre certaines choses en parole, vous voyez. C'est la peinture, on doit retrouver ces choses à travers l'œuvre. Si on ne le retrouve pas, c'est que c'est raté. Est-ce qu'il y a des moments de doute ? Et comment ?
Et comment? non, je ne veux pas être littéraire, ça, j'ai horreur de la littérature dans ce sens-là, vous savez. Je vous dirais que chaque toile, chacune des toiles traverse un moment de chaos, d'angoisse. Mais ça, ce sont des secrets d'atelier, ça. On n'a pas besoin de... Il est bon qu'on le sache, la peinture n'est pas un jeu, c'est une vie. Voilà. C'est en même temps physique et spirituel. Ce besoin de transmettre la vie, pour moi, c'est propulsé, je dis bien propulsé, sur mon très modeste travail de peintre. Et ça, tous les jours de ma vie. Voilà. C'est facile à dire. Mais par exemple, je sais ce qu'il veut dire. Les religieuses, une religieuse, jeune fille entre au monastère, elle n'a pas de vie de femme, elle n'a pas de vie de mère. Elle accomplit sa vocation pleinement dans son monastère. Eh bien, moi, j'accomplis ma petite vocation pleinement dans ma peinture. Là. C'est clair, non? Tout à fait. Oui. Parce que la peinture, c'est une question de vitalité aussi. Ce n'est pas une expression... ce n'est pas une froide intellectualité. C'est une vitalité, la peinture. On doit transmettre sa vie. Si on ne le fait pas, c'est... Si on ne le fait pas, c'est qu'on n'a plus le désir de faire, c'est qu'on a... Vous comprenez, c'est... On n'a plus même le besoin de le faire. Mais... Et tous les jours, la vie va dans ce sens-là. Quand on regarde ces trois toiles qu'il y a là, bon, moi je trouve celle-là extraordinaire, mais dites-moi, la toile bleue, la toile rouge, enfin c'est des couleurs qui sont tellement différentes, et vous les travaillez parallèlement. On peut imaginer que la source d'inspiration doit être la même, enfin, comment ça se passe? Celle-là, je voulais faire une toile blanche. Celle-là, je l'ai travaillée beaucoup plus longtemps que les deux autres. Est-ce que vous dessinez vos toiles avant de les peindre? Ah non, jamais. Jamais. Mais parfois, je prends le pinceau. Ah oui, c'est-à-dire oui et non. J'ai une toile vierge, je prends mon pinceau et je fais un vague rythme là-dessus. Je commence à peindre et ce dessin est absorbé. Vous voyez, c'est ça, il est absorbé comme c'était là-dedans, il est absorbé par la peinture. Il ne faut pas que le dessin soit dessin. On peut prendre une toile vierge et puis dessiner à l'encre. Ça s'appelle du dessin. Le dessin, c'est le dessin. La peinture, c'est la peinture. Ce sont deux choses très, très différentes. C'est une peinture qui a été travaillée, malaxée, continuée, simplifiée. Et ça a donné un blanc-gris. Il y a très peu de toiles blanches, grises dans votre œuvre. Pourquoi tout d'un coup cette envie de faire une toile blanche? Ah oui, j'ai très envie de faire des toiles blanches. Et je crois que cet hiver, j'espère en faire d'autres. Parce que le blanc, c'est toutes les couleurs, c'est très mystérieux, c'est très riche.
Il y a un mot de notre... Je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois. Notre ami Heto qui est mort. C'était un extraordinaire graveur. Mais il a fait une carrière de peintre. Alors là, c'est la peinture américaine, c'est absolument abominable. Et il en était ravi, il en était très heureux. Quelques semaines avant sa mort, je l'ai rencontré. Il avait fait une exposition, je ne suis pas allée au vernissage, je n'ai pas pu. Et il m'a dit, oh, j'ai fait une grande toile de 6 mètres de long, enfin. Et elle est vendue. Ah, mais j'ai dit, all right, c'est très bien. Et alors un jour, il a été prié de parler, hein, là. Il a été interviewé par France Culture. Et il a fait une série de... Je ne les ai pas entendues toutes, mais j'en ai entendu quelques-unes. Il a très justement parlé. Et il y a une phrase qui m'a retenue. Il a dit, il y a au moins 80 façons de faire le rouge. Il y a 80, au moins 80 rouges. Et j'ai dit, mais oui, mon vieux, tu as raison. Il y en aurait même davantage. Je voudrais qu'un jour, on mette tous les différents rouges l'un à côté de l'autre. Et mais quand vous travaillez une toile rouge comme celle-ci, là, qu'on a en face de nous, est-ce que vous travaillez le rouge ou est-ce que vous êtes inspiré par une source que je ne connais pas et qui vous pousse à faire cette toile rouge plutôt que bleue ou ocre? Je travaille la vie de la couleur dans cette toile. C'est comme si je faisais votre portrait un jour et que le lendemain je fasse un autre portrait de vous. Je pourrais faire 40 portraits de vous et qu'il soit 40 toiles différentes. Vous comprenez ça, hein? Eh bien, c'est le même problème qui se pose avec la peinture. C'est pour ça que je vous ai dit, je voudrais faire d'autres blancs. C'est drôle, si maintenant, à la fin de ma vie, j'aurais voulu avoir encore un tout petit peu de temps pour continuer comme ça, un petit peu. C'est passionnant. Vous avez vraiment l'impression d'être à la fin? On vous voit en pleine forme, vitale, lucide. Oui, seulement mon âge, mon petit cœur, on ne sait pas. Je peux encore avoir comme l'hiver dernier, c'était tout. Et alors restez. Nul ne connaît le jour ni l'heure. Depuis déjà, je sais pas, depuis 2 ans, on parle toujours de ma mort avec Camille. Alors oui, à ma mort, enfin, vous savez, ah oui, à votre mort. C'est un sujet de conversation qui nous amuse beaucoup. Et alors, je pense toujours au moment de la mort. Alors maintenant, on commence à en avoir un petit peu assez. On dit, écoutez, le vieux, cette conversation sur la mort, mieux parler d'autre chose. Mais vous n'avez pas peur de la mort? Non. J'ai à Paris une grande toile rose que vous ne connaissez pas, je crois. Je l'ai faite ici. C'est une grande toile. Une grande toile, c'est un 50, pour moi, c'est très grand. Je n'ai pas besoin d'énormes 6 mètres carrés, ça je ne peux pas. Je le laisse à d'autres. Manessi est somptueux dans ses grandes toiles. Absolument somptueux. Il en a besoin. Mais moi, je cherche un espace dans une petite toile. Un espace. Alors, cette toile était rose. C'était à la suite d'un rêve que j'avais fait. Et je l'ai appelé la mort. Alors quand Camille voulait mettre les titres des toiles, c'est la mort. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben oui, c'est la mort.
Alors il a changé de titre, je ne sais pas. C'était pour moi quelque chose de... une grande lumière rose. Je crois que... Je crois. J'ai confiance en Dieu. J'espère qu'il me pardonne tout. Mais le problème, c'est la conscience avec laquelle je travaille. Et c'est là-dessus que Dieu me pardonne, je crois.